pirate. J'ai changé la roue après que tu sois parti hier soir. Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Non, Dilsiz. Personne ne peut rien faire. Abidin n'est pas là. Il était très mal hier. Je l'ai vu rentrer, mais je n'ai rien pu lui demander. Il doit avoir des problèmes. Prends soin d'Asli. Ne la laisse pas sortir de la chambre. C'est noté, Ferhat. Ma tante? Entre, Jolid. Est-ce que ça va? Hein? Que se passe-t-il? Rien. J'ai fait en sorte que ça marche. Mais on dirait bien que je n'ai pas réussi. Ne dis pas ça, ma tante. Je ne te connais pas très bien. Et je ne connais pas Ferhat non plus. Je n'ai aucune idée de ce que vous avez traversé tous les deux. Mais je pense être assez intelligente et clairvoyante pour t'affirmer que votre amour est immense et tumultueux. Un amour que tout le monde voudrait vivre. Un amour tumultueux? Oui, ça peut être bien. Sauf quand le tumulte ne finit jamais. C'est peut-être toute la beauté de la chose. Je ne sais pas. Je suppose que je ne suis pas très lucide en ce moment. Peu importe. Et il a dit quoi à propos du bébé? Que je devais rester ici. Jusqu'à l'accouchement. Tu vois? C'est parfait. Il veut de ce bébé lui aussi. Laisse-moi te dire quelque chose. Le bébé va tout résoudre. Souviens-toi de ses paroles. Ah, Jolid. Mais est-ce que c'est ce que je veux? Je ne veux pas que les choses se règlent de cette manière. Notre mariage ne doit pas être sauvé grâce à un bébé. Les couples qui essayent de sauver leur mariage en ayant des enfants détruisent leur vie et celle de leurs enfants. C'est tout ce qu'ils réussissent à faire. Et ce n'est pas ce que je veux. Tu as raison. Tu as raison. Mais un bébé, c'est toujours une bonne chose. Toujours une bonne chose. Une partie de vous deux. D'ailleurs, lorsque vous êtes énervés tous les deux, on peut vous entendre dans toute la maison. Ne t'inquiète pas. Ils vont te poser des questions et te demander ce qui s'est passé. Tu sais ce que nous allons faire? Reste dans la chambre et repose-toi surtout. Et je t'apporte ce dont tu as envie. Hmm? Voudrais-tu quelque chose à manger? Ou quelque chose à boire? Je ne veux rien pour le moment. Je veux juste m'endormir pour oublier tous mes problèmes. Tu es fatiguée. Écoute. Repose-toi et dors comme un petit enfant. Ok? Ok. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais descendre, prendre le petit déjeuner, avec le reste de la famille, même si certains n'apprécient pas trop. Peu importe, tant que tu ne les vois pas, il ne faut pas t'en inquiéter. Ça ne posera aucun problème. Je suis désolée, Jolid. Je t'ai mise toi aussi dans une situation embarrassante. Mais nous partirons bientôt. Peu importe que nous... Partions ou pas, pense à toi, s'il te plaît, et au bébé. Ok? Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. D'accord. D'accord. Dors et repose-toi. Je viendrai te voir de temps en temps. Merci, Jolid. Allez, repose-toi, ok? Oui. Dors, chère tante. Dors. Dors. Dors profondément. Bonjour. Bonjour, Jolid. Bonjour, Hamdan. Ulia, Nami qui ne vient pas?
Je suis là, Andan. Ah. Bonjour. Bonjour, oncle Namik. Namik, que se passe-t-il? Il y a toujours des querelles derrière les portes. Ça ne s'arrête jamais, que se passe-t-il? Nous avons quelques problèmes avec le travail, mais ils seront vite réglés. Comme c'est merveilleux, n'est-ce pas, Namik? Nous recevons la nièce de notre belle-fille adorée. Oh là, je commence à avoir mal à la tête encore. Zeynep, apporte-moi les médicaments. Oh, Gulsum, chérie, où est ton mari? Il est introuvable depuis ce matin. Je suis en train de parler du beau-père de ton adorable fils, Nekdet. On ne sait pas qui est son véritable père. Qu'y a-t-il? Pourquoi m'ont-tu les yeux au ciel ainsi? Ai-je tort? Tu t'es servi de mon idiot de fils. C'est ce que j'essaye de dire, simplement. Je suppose que le problème est l'hypertension artérielle. Oh oui. Les gens ici ne manquent jamais une occasion de faire monter ma tension artérielle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sembles très intéressée, Jaida. Ce n'est pas Jaida, c'est Julide. Est-ce que tes parents ont mis longtemps à trouver ce prénom? Comment peut-on appeler son enfant Julide de nos jours? Il y a quelque chose que je ne comprends pas, cher Handan. Est-ce mon prénom qui vous dérange ou plutôt ma présence ici? Maintenant, j'en suis convaincue. C'est la nièce d'Asli, elle fait des insinuations avec son air prétentieux. Ma chère, tu dois apprendre ce que c'est qu'être une invitée ici. Je ne comprends pas. Ai-je dit quelque chose de mal? Vous avez dit que mon prénom... Peu importe. Je suis désolée. Bon appétit. Mon Dieu, maman, pourquoi as-tu toujours quelque chose de méchant à dire? Je n'aime vraiment pas cette fille. Ah, bien dit. Où est Idil? Je l'ai vue sortir, elle avait l'air pressée. Pourquoi as-tu mis autant de temps? Mais ce n'est pas facile de trouver un téléphone ici. Tu sais que je ne peux pas utiliser mon téléphone pour des raisons évidentes. Peu importe, où es-tu? On peut se retrouver pour discuter ce soir. Namik a de très gros problèmes avec un type. Il semblerait que Ferhat soit aussi impliqué. Bien, bien, bien. Et, de toute façon, nous en reparlerons ce soir. J'attendrai ton appel. C'est ton numéro? Je peux l'enregistrer? Non, c'est le numéro de l'un de mes amis. Je vais régler ce problème de téléphone et je te rappelle dans la journée. Prends soin de toi. Merci, c'est gentil. Tu peux dire à Azad que je souhaite lui parler. Dis-lui que c'est au sujet de Namik et Ferhat. Allez, t'attends quoi? Allez. Vas-y. Ah. Parfois, je suis surpris par mon intelligence. Merci. Avec plaisir. Donc, c'est bon, non? Qu'est-ce qui est bon? Ferhat et Asli, ils sont de nouveau ensemble. Ils se disputent toujours, mais ça a l'air d'aller. C'est mieux comme ça. C'est comme ça qu'ils s'entendent. Certains couples se battent pour s'entendre, et d'autres ne parlent pas beaucoup. Le plus important, c'est de s'entendre. Oui. Je m'ennuyais un peu avec eux là-bas, mais j'espère que je n'ai rien interrompu entre vous. Non, pas du tout. C'est un homme bien élevé. Il est un peu calme, cependant. Je suppose que vous êtes des amis proches. C'est ça. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je suis sûre que ses sentiments envers toi ne sont pas qu'amicaux. Arrêtez. Nous ne sommes que des amis. Si tu le dis. Je vais aider Zeynep à débarrasser la table. Olia,
J'ai été vraiment très dure avec toi ce matin. Le coup du petit déjeuner, c'était pas sympa. Tout va bien maintenant ? Bien sûr. Tout va bien, c'est bon. Je me sens mieux alors. J'avais comme un nœud à l'estomac depuis ce matin. Peu importe, fais ce que tu as à faire. Monte. Prends ta cravate. Merci. De ce que dit ce raté. Bien que ce serait mentir de dire que tu ne mérites pas chaque mot qu'il a dit. Maintenant, Abidine est au courant pour Cunate. Oh. Tu peux commencer à chercher ce que nous pouvons faire. Maman, on en a déjà parlé. Abidine ne dira rien. Que Dieu te maudisse, Cunate. Que Dieu te maudisse. Mais après tout, pourquoi je devrais en vouloir à Cunate? C'est ma fille, l'idiote, dans l'histoire. J'espère juste que Vildan n'en saura jamais rien. Elle n'en saura rien. Enfin, on peut pas lui dire. Lorsque je la vois prendre Negdet, mon cœur se serre. Je me sens tellement mal. Je l'espère, je l'espère. C'est ce que tu mérites. Mon idiote de fille. Que puis-je dire maintenant, hein? Ne dis rien, maman. Je suis constamment en colère contre moi-même. Pauvre Vildan. Elle n'a pas de chance. Oh, je me sens triste quand je la vois. Surtout lorsqu'elle est venue s'excuser. Si seulement le sol m'avait englouti. Ça fait deux avec moi. Incroyable. C'est une maison intéressante. Il s'y passe beaucoup de choses. Puis-je entrer? Bien sûr. Bonjour. Gulsum, c'est ça? Je suis désolée, je suis la nièce d'Asli. Je suis arrivée hier, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de te rencontrer. Donc je suis venue me présenter. Pourquoi souris-tu comme ça? Comment je pourrais ne pas sourire? On a réussi à faire échouer leur affaire tout en évitant que tu sois impliqué. Veux-tu une médaille, Yigit? Dis-moi, est-ce que tu veux une médaille? Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. Tu ne te rends vraiment pas compte. Si ces gars découvrent que tu es à la tête de cette opération, ne crois-tu pas qu'ils vont te tuer? Ferhat, je suis procureur. Ce genre de choses arrive constamment. Si j'ai peur des représailles, je dois juste changer de métier. Ça fait partie de mon travail, tout ça. Tant mieux pour toi. Ne t'inquiète pas, Ferhat. Il n'y a que quelques personnes importantes qui savent que j'étais à la tête de cette opération sensible. Les policiers sur l'affaire viennent aussi d'autres villes. Es-tu sûr? Oui. Détends-toi. Qu'il en soit ainsi, alors. Il s'avère qu'Asli t'aime vraiment. Je sais pas pourquoi elle t'aime autant. Je comprends pas ce qu'elle te trouve pour t'aimer autant. Elle a essayé de protéger l'homme qui lui a demandé d'avorter. Elle ne l'a pas fait. Quoi? Elle n'a pas avorté, c'est tout.
Je ne suis pas du tout content de vous voir, Namik et Miran. Pourquoi? Je suis pourtant une personne chaleureuse. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. On s'est simplement fait avoir. Comme je vous l'ai dit, nous devons trouver qui nous a dénoncés. Nous avons trouvé le procureur grâce à votre aide. Nous allons le faire payer. Et concernant cette taupe, nous allons le trouver aussi. Nous allons trouver qui a chuchoté à l'oreille du procureur. Concernant la perte et les préjudices. Nous devons en parler, bien sûr, nous devons en parler. Donc, cher Namik, comment sommes-nous censés régler cela? Ferhat, je dois le dire à Suna tout de suite. Doucement, calme-toi, calme-toi. Elle me disait que le bébé serait une bonne chose pour vous et elle avait raison. Mince, je pense qu'elle est occupée. Waouh, je vais devenir tonton! Les plans n'ont pas changé. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous allons quand même divorcer. Ça peut pas se passer comme ça. Ne sois pas stupide. Asli ne fera jamais ça. Elle voulait juste te donner une bonne leçon. C'est tout, rien d'autre. Yigit, arrête de parler du bébé. Tu ne te rends pas compte qu'il s'agit d'un sujet sérieux? Si, Ferhat. Es-tu sûr qu'ils ne pourront pas faire le lien entre toi et cette opération? Ferhat, c'est impossible. Oublie ça. Elle est enceinte de combien de mois? C'est une fille ou un garçon? Nous ne savons pas encore, Yigit. Nous ne savons pas. Si c'est un garçon, tu vas devenir tonton, et si c'est une fille, tata. Eh ben, je suis d'accord pour être une tata si c'est une fille. Imagine-toi, une jolie petite fille bavarde ressemblant à Asli. Comment pourrais-tu résister à ça? Allez, lève-toi, écris que tu vas devenir papa. Ton charisme ne sera pas touché, vas-y. Allez, vas-y. Là, je me préoccupe peu de mon charisme, tu ne comprends pas ce que je te dis? Écoute-moi, je dis que tu vas devenir père, ok, c'est bon? Laisse-toi donc aller, dis à tout le monde que tu vas devenir père. Tu as vraiment perdu la tête. Oui, Ferhat, tu vas devenir papa. J'ai entendu les battements du cœur d'Osgur. T'as entendu son cœur? Oui. Ensuite, nous sommes allés à la boulangerie. Et la nuit dernière, nous avons pointé une arme l'un sur l'autre. Tu perds vraiment la tête. Oui, en effet. Mais je me demande pourquoi tu es si raisonnable, hein? J'ai déjà perdu la tête. Garçon! Écoutez, le thé, c'est pour moi aujourd'hui. En fait, pas seulement le thé, tout ce qu'ils ont commandé. Bien, monsieur. Je vais devenir tonton. Bravo! Merci beaucoup. Bravo. Assieds-toi. Merci. Assieds-toi. Je me demande qui m'a volé le droit d'être excité comme toi. Oh, tu es vraiment trop mignon. Je pourrais te manger. Il est adorable. Je suis désolée, Julid. Nous ne t'avons pas accueilli de la meilleure des façons. Nous rencontrons des problèmes en ce moment. Si tu n'avais pas frappé et que tu ne t'étais pas présenté... Ne vous inquiétez surtout pas. Nous nous sommes finalement rencontrés. Allô, Suna? Yeter, bonjour. Pouvez-vous venir chez moi? Bien sûr, chérie. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Non. Je veux juste vous voir, si vous pouvez. Si vous êtes occupée, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Non, bien sûr que je suis disponible, chérie. Je serai là dans une heure. Commence à préparer le thé. C'est déjà fait. Merci. D'accord. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Suna m'invite à prendre le thé. Elle se sent seule, tu sais. Bienvenue encore une fois, chérie. Merci beaucoup. Contente d'être ici. Est-ce que je peux te demander de surveiller Negdet quelques minutes, s'il te plaît? Je dois passer un appel assez urgent. Bien sûr, c'est avec un immense plaisir que je vais surveiller ce beau garçon. Tu peux y aller. Merci beaucoup, je vais faire vite. Ne t'inquiète pas.
Arrête de sourire comme un chat du Cheshire. Tu m'énerves à un point. Peu m'importe si je t'énerve, tu sais. J'ai reçu d'excellentes nouvelles. Je vais devenir tonton et Suna me rappelle. Allô ? Suna, chérie, écoute si tu es disponible, sors et achète le quart d'une pièce d'or. Non, achète plutôt la moitié. Non, achète une pièce entière. Pourquoi, chérie ? Que se passe-t-il ? Je vais devenir tonton. Quoi ? Arrête de répondre la nouvelle. Attends, je vais louer une banderole pour répandre cette nouvelle. Essaye un peu. Allô ? Yigit ! Dis-moi que tu es sérieux ! Bien sûr que je le suis, tu m'as entendu. Allô ? Elle a raccroché. Elle était comme une folle. Je le savais, je le savais, je le savais. Non, je ne vais pas l'appeler. Je ne voudrais pas la déranger. Je comprends maintenant pourquoi cette nouvelle te réjouit pas. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que tu penses qu'Asli veut divorcer. Tu penses qu'elle veut divorcer sans te dire un mot à ce sujet et te laisser en prenant le petit avec elle. Elle me l'a déjà dit. Donc il n'y a aucun problème. Je sais. Je veux dire, je comprends. Au début, j'étais effrayé aussi. Quand Suna était enceinte. Un jour, elle s'est réveillée et elle ne trouvait pas une de ses pantoufles. Elle était sous le lit. Elle l'a cherchée partout, mais elle l'a pas trouvée. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle avait perdu une de ses pantoufles. Écoute, un jour, elle était enceinte de 3 mois. Elle s'est mise à pleurer en pensant qu'elle pourrait plus se couper les ongles des orteils à l'approche de la naissance. Elle pleurait parce qu'un chiffon de cuisine jaune était perdu. Elle pleurait parce que les vêtements étaient jaunes et non bleus. Attends de voir, tu n'as encore rien vu. Tu vas voir tous ces changements. Tous ces changements d'humeur, elle va toujours se trouver trop grosse ou trop quelque chose. Tu vas voir ça. Si tu regardes le journal et que la présentatrice est une femme, tu auras le droit à une scène. Tu trouveras des crèmes anti-vergétures un peu partout. De la boîte à gants de ta voiture au tiroir à chaussettes, hein, crois-moi. Crois-moi sur parole, tu vas vivre toutes ces choses. Écoute, je te le dis, tu ferais mieux de connaître toutes les épiceries ouvertes 24 heures sur 24. En fait, tu dois avoir les numéros de téléphone des propriétaires de ces épiciers. Amandes, fraises, poudre de pois chiche, cornichons, pastèques, aubergines frites avec tomates et ail, pulpe de raisin sec. Elles mangent tout ce qu'elles peuvent mettre dans leur bouche, Ferhat, y compris toi. J'oublierai jamais un jour, vers fin septembre, il faisait terriblement chaud. Je portais un débardeur. Tu vois ce que je veux dire ? Suna a été assise à côté de moi. Il y avait une toute nouvelle présentatrice qui était à la télévision pour le journal. Elle a dit « Yigit, chérie, je veux faire quelque chose. » Et j'ai demandé ce que c'était. Elle regardait ici, vers mon épaule. Elle a dit « Mes dents me démangent, je peux te mordre l'épaule ?» Je te le jure. Tu vois jusqu'où elles peuvent aller. Je veux dire qu'elle avait littéralement l'intention de me mordre. Ferhat. Quand les femmes tombent enceintes, elles deviennent des personnes complètement différentes. Tu comprends ? C'est comme si des personnes complètement nouvelles les remplaçaient. Je parle pas de changement physique, elle restera la même Asli. Elle aura la même voix et le même visage, t'inquiète. Mais elle passera d'ange à démon en 5 minutes. Les hormones de grossesse les transforment complètement. Parce que elle commence déjà à devenir mère. Mais toi, t'es pas encore un père. Aussitôt que le bébé est conçu, elles deviennent mères. Mais quand je dis tu deviens pas père, je parle de toi, de moi, des hommes en général. On devient père après la naissance. Une fois qu'on a pris le bébé dans nos bras et qu'on sent son odeur. Tu vas bientôt connaître cette sensation. Tu comprends ? C'est la différence. Tu devrais abandonner le métier de procureur. Et devenir obstétricien. Je l'ai déjà été, d'une certaine manière. Alors, comment ça va se passer ? Nous n'avons trouvé aucune solution jusqu'à présent. Comment ça va se passer, Namik ? Monsieur, vous devez voir ça. Quand l'as-tu obtenu ? Il y a quelques heures. Bien.
Bonne nouvelle. Nous avons trouvé le type qui a informé le procureur. Maintenant, nous n'avons plus qu'à l'attraper. Je ne dois pas être le seul à m'occuper de tout ça. Si vous ne me rendez pas mon argent, vous êtes un homme mort. Ramenez-moi juste mon argent. Vous êtes un homme mort. Quelles sont vos instructions, monsieur ? Trouve-moi ce gars qui nous parlait de Barbier. Voyons ce qu'il peut bien nous préparer d'autre. On doit s'en charger ? Quand le moment sera venu. Attendez. Qu'y a-t-il ? Donc vous n'êtes pas au courant ? Quoi ? Ne me fais pas peur. J'ai une bonne nouvelle. Je t'en prie, dis-moi ce que c'est. Asli est enceinte ! Quoi ? Oui ! Yigit m'a appelée pour me le dire. Je voulais appeler Asli, mais je n'ai pas osé la déranger. Comment est-ce que Yigit l'a su, enfin, si ce n'est pas Asli qui lui a dit ? Ce matin, Ferhat est venu ici et ils sont partis tous les deux. Apparemment, il en a parlé à Yigit qui m'a appelé. Mais je le savais, Yeter, j'avais un pressentiment. Elle était tellement nerveuse le jour de l'anniversaire, vous savez, quand elle est partie. Elle était dans le même état hier soir. Et ce matin, ils se sont disputés encore une fois, je les ai entendus. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire... Félicitations à la grand-mère. Merci, ma chérie. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je sais pas. Tu veux dire quoi à part je sais pas, Ferhat ? Rentre chez toi et emmène Asli. Vous devez aller chez le médecin. Allez tous les deux écouter le plus beau son que vous avez jamais entendu. Ça sera bien pour vous deux. Que vas-tu faire ? Comme d'habitude. Je vais continuer. Je vais nettoyer après l'opération. Écoute, Yigit, sois prudent, s'il te plaît. Sérieusement, sois prudent. Ok, Ferhat. C'est bon, t'inquiète pas. Tu sais, je suis le procureur. D'accord. À plus tard. Oulia, tu veux bien nous excuser un instant, s'il te plaît ? Bien sûr. Pourquoi souris-tu ? Non, je ne souris pas. Ah bon ? D'accord. Tu n'as parlé à personne de ce que tu as entendu hier soir, n'est-ce pas ? Allons, Asli. Je n'ai rien entendu du tout. Parfait, merci. Il faut que je fasse quelque chose. J'ai besoin de toi. Tout ce que tu veux. Parfait. Quoi de neuf ? Il recherche celui qui a dirigé l'opération. Tu n'auras rien dit, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Il cherche la taupe au sein de leur équipe. Celui qui a informé, le procureur. Je pense qu'ils ont trouvé ce gars aussi. Donc ils ne vont pas s'occuper de nous. Au moins pendant un temps. Mais ça ne sera que pendant un temps. J'ai une semaine pour trouver l'argent. Ce n'est pas un problème, nous allons trouver une solution. Où est-ce que tu es en ce moment ? Je vais sur le chantier. Nous devons nous occuper des affaires aussi, non ? Peut-être que nous devons nous séparer de certaines affaires. Ok. C'est impossible. S'il te plaît, ne m'implique pas là-dedans. D'accord. Eh bien, comme tu voudras. Dans ce cas, il ne vaut mieux pas que je te dise ce dont Oulia et moi avons parlé. Tu as dit la même chose l'autre jour. Eh bien oui, nous avons discuté récemment toutes les deux. De quoi avez-vous parlé toutes les deux, Asli ? Oh, tu sais, je préfère ne pas être impliquée là-dedans. Asli ! Asli ! Asli, pour l'amour de Dieu ! Elle est enceinte, d'accord, tu comprends ? Elle va chez le médecin, il fait une échographie, etc. Et il découvre qu'il y a un problème avec le bébé.
Donc il suspecte qu'il pourrait s'agir d'un mariage entre cousins germains. Et il demande, madame, y a-t-il un lien de parenté entre votre mari et vous? Elle répond, oui, c'est mon mari. Oui, je sais, je sais. Oh, j'ai mal au ventre, Julie, arrête. Ça fait longtemps que je n'ai pas ri comme ça. Oh. Oui, c'est son mari, c'est le lien de parenté qu'ils ont. Oui. Bien sûr, et d'ailleurs, où est ton mari? Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. J'aimerais rencontrer le papa de cette petite. Je suppose qu'il sera à la maison ce soir. Et je dis quelque chose de mal? Oh, est-ce qu'il est mort? Disons que pour nous, il l'est, oui. J'ai honte. Je suis désolée, c'est de ma faute. Je m'excuse. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas de ta faute. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais me voir? Tu voulais me parler de Namik et Ferhat? En effet, mais ça fait des heures que je vous attends. Je suis désolé, j'avais des choses à faire. Bien, pas de problème. Écoute-moi bien, je vais te tuer. Tuez-moi alors. Je voulais seulement être votre bras droit, mais vous me traitez comme un chien. Tais-toi donc! J'ai appelé Idil. J'ai utilisé son téléphone. Comme je n'en ai pas. Je travaille sur quelque chose d'important, mais je n'ai pas de téléphone. Elle veut me rencontrer ce soir. Pour discuter de certaines choses. Namik a de gros problèmes avec un type. Il semblerait qu'il soit piégé. Des problèmes avec qui? Je ne sais pas, elle veut me voir ce soir. Je pense qu'elle ne devrait pas connaître l'adresse de cet endroit. Je peux la rencontrer à l'extérieur. Comme ça, elle me dira tout et je pourrai vous faire un rapport entièrement détaillé. Trouve-lui un téléphone. Aide-le à arranger sa tête et apporte-lui des vêtements. Il y aura deux hommes qui le suivront. À chaque seconde, ok? Tu m'as compris? À vos ordres, monsieur. Emmène-le. M'emmener où? La réserve, c'est ça? Est-ce que je ressemble à de la marchandise? Vous devriez peut-être me mettre dans une boîte. Bonjour. Comment va ta jambe? Ma tante m'en a parlé. Bon rétablissement. Où est Asli? Elle est en haut, elle dort. Elle est un peu fatiguée, par la grossesse. Personne ne sait qu'elle est enceinte. Je ne l'ai dit à personne, ne t'inquiète pas. Prépare-toi. Où est-ce qu'on va? Nous allons chez le médecin. J'ai pas besoin de médecin. Je ne t'ai pas demandé s'il le fallait ou pas, d'accord? Qu'y a-t-il? Tu n'as pas l'air bien. C'est rien. Dépêche-toi, alors. Oh, mon Dieu. Gulsum. Oui. La nuit dernière, je ne t'ai rien fait de mal, n'est-ce pas? Tu sais comment j'étais sous. Pas du tout. J'ai eu honte devant ta mère aussi. Je lui ai parlé et je me suis excusé. Tu as bien fait. Gulsum. Tu sais, j'avais l'impression que c'était un rêve. J'ai ouvert les yeux ce matin. Et tu étais en train de dormir à côté de moi. Je me suis dit, Abidin, tu es en train de rêver. Ne te réveille pas, reste dans ce rêve. Moi aussi. Toi aussi? Oui, moi aussi. J'étais allongée à côté de toi. Cette tranquillité que je n'ai pas ressentie depuis des mois. Je me suis dit, cette sensation existe, mais... Abidin,
Dis-moi. Merci beaucoup de m'aimer autant. En fait, c'est moi qui te remercie de me laisser t'aimer, Gulsum. Est-ce que tu as froid ? Un petit peu. Alain ? C'est possible ? Je... Asli. Ah, chérie, pourquoi tu ne nous as rien dit alors que nous avions tous besoin d'une aussi bonne nouvelle? Ma fille chérie, un bébé, je suis tellement contente. Tellement contente, oui. Toi, enfin nous les hommes, on devient père après la naissance, tu comprends? En fait, tu sais que tu vas devenir père. Mais tu le ressens pas. Tu ressens qu'une fois que t'as pris le bébé dans les bras et que tu sens cette odeur. À ce moment-là, tu comprends que t'es devenu père. C'est toute la différence. Tu comprends? Es-tu allé chez le médecin? À combien de semaines es-tu? Eh bien, nous ne savons pas encore. Je n'ai pas demandé. Comment l'avez-vous appris? Suna me l'a dit. Suna? Oui. Ah bon, vraiment? Suna? Oh, Olia! Viens ici, Asli est enceinte. Oh oui, je le savais. Toi aussi? Ah, j'espère que Dieu te facilitera cette grossesse jusqu'à la naissance. Je l'espère. Merci. Oh, décidément, je perds la tête. Nous ne devrions pas te faire attendre comme ça. Monte et repose-toi un peu, allez, vas-y. Non, Ferhat et moi, nous allons chez le médecin. Je l'attends et on part tout de suite après. Nous avons rencontré ta nièce, mais où est-elle? Je l'ai vue, elle était avec Vildan. Ok. Monte et repose-toi un peu dans ta chambre en attendant d'aller chez le médecin. Non, pas besoin. Si jamais tu vois Dilsiz, tu peux lui dire que je souhaiterais lui parler avant de sortir. Bien sûr, je lui dirai. Allez chérie, allez. À tout à l'heure. Bravo, tu as l'air ravie. Bien sûr que je suis ravie. On n'a peut-être pas pu faire tomber le gang, mais on leur a mis un sacré coup. Et Asli est enceinte. T'avais raison quand tu disais qu'un bébé peut résoudre les problèmes. Je crois que ça va aller. Oh, Yigit, tu sais, j'étais si excitée que j'avais l'impression que c'était moi qui étais enceinte. Osgur est un enfant unique. Un enfant unique peut se sentir seul. C'est ce qu'ils disent. Oh, Yigit, arrête. Ne fais pas ça. Nous sommes mariés depuis des années, mais quand tu me regardes comme ça, je deviens toute rouge. Tu peux arrêter, s'il te plaît, ça m'embarrasse. Bien sûr que tu rougis, car tu sais que je t'aime. Ne fais pas ça. Non. Osgur est dans sa chambre et nous sommes sur le point de manger. Tiens, mange cette feuille de menthe. Osgur, viens, mon bébé. Idiot. Je rougis encore. Bravo, j'espère que tu es fière de toi. De quoi parles-tu? Tu as dit à tout le monde que j'étais enceinte.
Tu penses que les gens vont me juger parce que je suis enceinte, mais que je souhaite quand même divorcer et que ça ne se fait pas. C'est pour ça que tu l'as dit à tout le monde. J'en ai parlé à Yigit, il est le seul à le savoir. Et il l'a dit à Suna, c'est tout. Peu importe. Je ne changerai pas d'avis, je te le redis. Je commence à en avoir marre de tes décisions. Oh non, mon chéri, tu n'aimes pas commencer. Toi, tu préfères finir les choses, en général. Exactement, je n'ai jamais tort. Alors là, je te rejoins, tu as toujours raison. Quel est ton problème ? Eh bien, je vais vous dire, monsieur le médecin. J'aimerais bien, justement, que vous me le disiez. Oh, arrête, c'est toi le médecin, pas moi. Je n'oserais pas, mais je sais très bien cerner les gens. Oh, je sais, j'ai vu ça, oui. As-tu appelé cet idiot ? Attends, de quel idiot est-ce que tu parles ? Cet idiot d'avocat, ce type bizarre. Mais pourquoi est-ce que tu le traites d'idiot ? Et puis je te signale qu'il n'est pas bizarre. Bon, pourquoi tu veux que je l'appelle, alors ? Et puis je ne comprends vraiment pas pourquoi on doit aller chez le médecin. Tu es enceinte, c'est pour ça. Ah, ah bon ? Je suis enceinte. Oui, tu l'es. Je l'avais pas remarqué. C'est intéressant, ça. Tenez. Yeter, félicitations. Oulia m'a dit qu'Asli est enceinte. Merci, Zeynep. Oh, oh. Yeter, vraiment ? Je comprends pourquoi Asli n'a rien dit, mais pourquoi toi non plus ? Je viens juste de l'apprendre. Ils ne sont pas censés divorcer ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Maintenant qu'il y a un bébé, je ne vois pas comment. Il pourrait divorcer, Andan. De toute façon, ce n'est pas si grave s'il divorce. Mes enfants adorent s'occuper de tes petits-enfants, de toute façon, et jouer le rôle des parents. Abidin est devenu le père du fils de Gulsum, et Vildan deviendra la mère du bébé d'Asli, n'est-ce pas ? Mais maman, est-ce que tu t'entends parler ? Pourquoi ? Ce n'est pas vrai ? Tu ne peux pas contrôler ta langue de vipère, n'est-ce pas ? Insolente. Tu n'as pas honte d'insulter ta grande sœur de vipère, hein ? De toute façon, tu n'as jamais eu honte de quoi que ce soit jusqu'à présent, malgré tout ce que tu as fait. Je ne fais que parler. Si tu cherches Gulsum, je suis sûre qu'elle est avec Abidin. 2 minutes. Je n'ai pu rire que pendant 2 minutes dans cette maison aujourd'hui et c'est grâce à cette fille. Mais ça, maman, tu peux pas le supporter. Nous avons l'habitude de te voir désobéissante de toute façon, n'est-ce pas ? Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, Asli. Nous sommes ici pour voir Ashgul. Bien sûr. Asli ? Bonjour. Comment ça va ? Bonjour, monsieur. Juste un instant. J'ai une patiente à l'intérieur et il y a un couple après. Ensuite, je pourrai vous recevoir. Ok. Denise, pouvez-vous venir 1 minute ? Bien sûr, docteur. Chérie ? Dis-moi, mon chéri. Est-ce que ça va, chérie ? Je vais bien. T'es sûre ? Ah, comment pourrais-je te mentir ? Enfin, arrête, chérie. Chérie, je suis tellement excitée. Je suppose qu'elle n'a pas de prénom. J'imagine. Madame Amour, Monsieur Respect, venez avec moi. Oui, c'est nous. On prend un selfie d'abord. Oh. Je suis dans le bureau. Attention, chérie. Ah, du médecin, avec mon amour et mon miracle, hashtag merveilleux. Ouais, allez. Abruti. Comment peut-il devenir père ? Enfin, un homme doit se comporter en homme. Leurs noms sont Amour et Respect. Où est-il maintenant ? Il fait un petit tour à travers mon corps, il ne devrait plus tarder. Il est là, au milieu. C'est tout ce que tu trouves à dire ? Tu es à 6 semaines. Bien. Je veux dire, peut-on voir cette chose ? Son sexe ? Il est trop tôt pour le savoir. Souhaitez-vous entendre les battements de son cœur ? Avec plaisir. J'aimerais bien les entendre. Puis-je le prendre près de moi ?
ses battements de cœur sont ceux d'un garçon. Enfin, on dirait. Je suppose.